Moi, c'est Golar Sandra. Je travaille à la crèche de Sotte de Navaille avec 15 à 16 enfants par jour et je suis auxiliaire de puériculture. J'ai pas appris l'occitan, mais effectivement, je l'entends encore maintenant parce que je côtoie quelques personnes qui parlent l'occitan. Je l'ai entendu étant enfant. Donc du coup, il y a des restes. J'arrive à comprendre quelques mots et à en parler quelques mots aussi. Très très basique. Dans ma crèche, l'occitan est très très peu utilisé. Donc on a eu une petite information par rapport à l'occitan. C'est essentiellement comment ils vont, s'ils vont bien, s'ils ont bien dormi. J'essaye pour manger. Voilà, depuis quelque temps, j'essaye de mettre un peu plus de mots que je connais. Après, le souhait n'est pas de parler vraiment en occitan, mais juste de leur donner quelques mots et de pouvoir aussi utiliser les livres qui nous ont été fournis et à terme essayer que mes collègues puissent aussi diffuser quelques mots pour que les enfants puissent entendre des sons différents du français. Les mots que j'utilise, le hadichat, s'ils ont bien compris, ça y est, il y en a plusieurs qui me le répètent. Donc là, on est sur le « tu as bien dormi », « plao mao », et du coup, ils essayent de, certains répètent, d'autres pas. Mais pour l'instant, voilà, on en est vraiment à l'ébauche de ces mots. Le français, c'est essentiellement les mots qu'on n'a pas, pour ma part du moins, et les façons de les dire. Pour mes collègues, plusieurs sont volontaires pour le faire, mais pareil, elles connaissent pas, donc c'est pour ça que j'ai pensé aux petites affichettes, pour pouvoir qu'elles puissent diffuser aussi quelques mots. Je pense que si j'arrive moi à parler davantage, à donner davantage de mots régulièrement, elles pourront s'en saisir et du coup, voilà, l'occitan rentrera un peu plus dans la crèche. L'intérêt pour moi de mettre des mots dans le quotidien en occitan, c'est vraiment qu'ils fabriquent leurs phonèmes. Et moi, je trouve hyper intéressant, du coup, qu'on puisse allier les deux et s'ouvrir un peu à d'autres cultures par la suite. Peut-être ça leur donnera envie de voir d'autres choses. Pour moi, les conseils, c'est d'y aller tout doucement, de ne pas vouloir faire trop tout d'un coup, parce qu'on a vu pour d'autres projets que ça ne marchait pas si on veut tout faire d'un coup. C'est vraiment de mettre quelques mots, de se les approprier pour être à l'aise avec. Une fois qu'elle a cela, elle peut en introduire d'autres, c'est moi ce que je vais faire. Mais voilà, y aller par parcimonie et petit à petit.